Alors nous sommes en pleine nature, enfin il y a des pavillons derrière quand même, pas en pleine nature, avec la petite géomobile derrière et puis Geoffrey qui est juste derrière aussi. Et nous allons faire un urbex et voilà. Donc hop, un petit tour. Bien sûr, on n'est pas du tout à côté de l'urbex là, donc de toute façon, je ne reconnaîtrai pas tout de suite. A plus. Alors nous nous rapprochons de l'urbex, comme d'habitude, si vous reconnaissez les lieux, ne marquez rien en commentaire. À la rigueur en privé si vous voulez m'en parler. Voilà. Alors vous allez me dire si on voit la différence. Là j'ai pas mis mon micro. A tout de suite. C'est marrant, ça devait être la mode, c'est ça là. Les lumières, ça doit être à la mode parce que il y en avait dans mon collège. Ah, il y en a qui ont cassé la vitre. Ah, ça a été fermé. Non. Elle était où? Elle était juste là. Mais c'est pas là, c'est la clé de là. Oh, oh. Mais à mon avis, il n'y a plus de courant. Non, on rentre pas. Alors. Une petite vue comme ça, j'ai plus que 14% de batterie. Alors on va essayer de se dépêcher pour que je filme un petit peu l'intérieur quand même. Pourquoi tu fais des grands pas? Mon chien. Ah non. Ah, c'est bon. Fausse peur. Ah oui. Oh tiens, regarde. Je vais prendre une photo hop, comme ça. Alors il y a une odeur chimique quand même. Hein. Les pieds, c'est ça. Ça me rappelle l'usine où je travaillais avant. Donc là, une petite salle. Ça devait être des bureaux avec un skydome. Alors là où on n'a pas pu rentrer, donc toujours des bureaux, des super rideaux dans, anciennement les, qu'il y avait dans les usines du bureau. Je me dépêche de filmer, hein, ça colle sous les pieds. À l'intérieur. Ça a été cassé là-bas, tu vois. C'est dommage quand même que j'en casse. Moi, je préférerais visiter un. Ah, attends, regarde, c'est des parties communes, ça, à mon avis. Les WC et tout. Tu. Ça fait penser à une miroir dans la cuisine de là. On s'est fermé comme ça. Et que là, du coup, coucou, il y a quelqu'un derrière. Et alors là, il y a une manie chez les urbexeurs, je sais pas pourquoi, c'est de regarder dans les chiottes. Bon, ça va, c'est pas ça là. Chie dedans. Ouais. Ils sont dégueulasses, les gens. Ça
la machine à sous. Tiens, regarde, tu peux ouvrir le Skydome. T'as raison, il fait chaud dedans. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Là-bas, faut faire attention parce que là-bas, il y a d'autres usines et on voit à travers les vitres. On va voir ce qu'il y a d'autre là. Il y a encore une ouverture là. Oh, elle éclaire cette pièce. Ouais, il y avait des bureaux partout là. Et voilà, là nous sommes à l'accueil. On n'a pas pu passer tout à l'heure. Et là, voilà, j'ai vu qu'il y avait toute l'armoire électrique. Il y a même des salles où il y avait des clés. Hein. C'est pas là l'armoire électrique. C'était pas là-dedans, tu penses? Non. Ah, c'est interdit à toute personne étrangère au service. On n'est pas étrangère. Ah, ça fera le problème. On y va quand même. Je suppose qu'il n'y a plus de lumière. Putain, les oiseaux depuis tout à l'heure, ça caille. Ça, ça devait être le bureau du chef d'atelier. C'est celui qui surveille derrière ses vitres tous les petits qui travaillent. Ouais, à mon avis, c'est le genre de monsieur, il devait être un nicheur. Ah, ça devait être du stock. Il devait être là. Ah ouais. Groupe électrogène peut-être aussi. Ça c'est à mon avis s'il tombe en panne, il y avait un groupe électrogène. Ouais, la plupart des usines, il y a ça. Ouais, ben voilà, quelques instincteurs. Et ben c'est peut-être ça la poudre qui est par terre, qui craque. Il y en a peut-être qu'ils se sont amusés avec les instincteurs. Comme dans chaque usine. Hein. Et alors là, toujours, l'intérêt d'être discret, c'est que vous voyez juste plus loin, là, on va voir par la fenêtre, et ben, il y a une usine en activité. D'ailleurs, il y a une voiture. Donc c'est toujours important d'être discret. Bon, je pense qu'on ne voit pas à travers, mais... On parle de discrétion et de... Voilà.